tous pour cette nouvelle capsule un petit peu particulière qui va vous permettre d'améliorer votre grip à la batterie avec un grip particulier que vous avez pu voir sur la démonstration. Donc un grip que j'ai appelé grip vélo. Un grip vélo pourquoi? Parce que quand vous êtes à vélo, vous avez la tige du frein qui est entre le pouce et l'index. Puis vous allez freiner avec les doigts qui sont ici, exactement comme vous allez travailler à la batterie, quand vous allez travailler avec les doigts. Donc un mouvement de vélo, de freinage de vélo, avec un mouvement de pince aussi entre le pouce et l'index, puisque vous savez que quand vous prenez la baguette normalement, il doit y avoir un grip ici. Donc là, je vous propose de prendre un grip un petit peu particulier pour travailler à la fois la flexion du poignet, mais aussi la flexion des doigts vers la paume pour être beaucoup plus efficace. Alors pour travailler avec ce grip vélo, je vais vous proposer donc de vous mettre soit devant votre caisse claire, soit devant le pad que vous avez. Vous allez incliner votre caisse claire vers l'avant, comme ceci. Et puis là, vous allez avoir un petit peu à la façon des premiers batteurs de jazz, avec une caisse claire vraiment organisée et on va dire penchée vers l'avant. Et puis là, vous allez prendre votre baguette, évidemment, avec ce grip qui est bien serré entre le pouce et l'index. Vous allez pouvoir travailler avec les doigts en jouant sur la baguette. Alors, je ne vais pas vous proposer de formule écrite pour cette vidéo, il n'y aura pas de partition à télécharger comme les autres vidéos de la chaîne, mais simplement vous allez voir comment on travaille avec ça, et c'est vrai que l'idée c'est de sentir le mouvement du poignet d'abord, et le mouvement des doigts par la suite, avec ce mouvement de flexion des doigts sur la paume, qui fait travailler la loge antérieure de l'avant-bras avec les fléchisseurs commandés doigts en fait. Hein. Donc là, vous avez vraiment une prise comme ça tonique. Et la question pour vous, et pour moi aussi, et pour tous les batteurs, c'est d'avoir une frappe qui soit, on va dire, régulière et surtout de même intensité. Donc là, l'idée, ça va être de faire une phrase à droite, à gauche, et essayer de la faire de même intensité. D'accord ? Donc déjà, vous pouvez commencer par des débits, avec les doigts, en travaillant avec le poignet, tout simple. Donc là, on doit bien sentir que le débit est le même. Puis ensuite, vous allez pouvoir agrémenter vos phrases, les phrases qui vous viennent comme ça, avec plus d'accélération pour travailler avec les doigts, d'accord? Et là, effectivement, dans ce genre d'accélération, vous allez devoir maîtriser le débit, maîtriser la frappe, et à l'oreille, vous allez tout de suite vous rendre compte si les notes sont faites au même niveau d'intensité. Alors évidemment que c'est souvent le poignet gauche qui va être un petit peu à la ramasse, un petit peu à la traîne, donc il va vraiment falloir aussi peut-être commencer par le poignet gauche. Vous pouvez commencer à droite. Et puis après alterner, faire des vies, effectivement. Ce genre de motif, voilà, comme ça vous vient, avec un clic ou sans clic. La deuxième chose que je vous propose aussi avec ce grip vélo, c'est de travailler main droite, de travailler main gauche, et puis aussi de jouer avec les deux baguettes en même temps, de manière à voir si le volume sonore est bien maintenu lorsque vous allez jouer ensemble les deux olives et les deux baguettes, d'accord? Donc ça peut donner ça. Tout en essayant de ne pas faire de flamme et en essayant de jouer ensemble. Voilà, donc cette idée, c'est vraiment de développer ce travail de doigts. Vous pouvez travailler aussi avec l'index, avec le majeur, avec l'annulaire, et faire travailler tous les doigts, d'accord? Comme ceci. Voilà, là, vous allez sentir la baguette avec un différent débit. Pareil pour la main gauche. Voilà, toujours en maîtrisant la frappe et en sentant que le poignet est fixe et que c'est que les doigts qui travaillent. Ça, c'est vraiment un travail de doigts, là, que je vous demande de faire. Et tranquillement, vous pouvez mettre un clic. Là, je n'ai pas mis de clic pour la démonstration. Alors là, vous changez de doigt. Après, c'est tous les doigts, voilà. D'accord? Après, vous pouvez augmenter l'amplitude. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de sentir ce grip et cette pince que vous allez devoir faire avec le pouce et l'index.
et puis travailler vraiment au centre de gravité de la baguette pour qu'il y ait vraiment un rebond qui soit possible. C'est évident que si vous prenez trop loin, ça ne va pas être possible de travailler comme ça. Voilà, donc à faire de temps en temps, avec des baguettes, les baguettes que vous utilisez, on va dire, régulièrement, vous pouvez prendre des baguettes un petit peu plus lourdes. J'ai pour mémoire, quand j'étais plus jeune, j'avais vu cette fameuse vidéo de Christian Vander, Un homme et une batterie, où cet excellent batteur à voir absolument et à écouter lui disait qu'il avait tout fait, il avait travaillé pour développer ses poignets avec des marteaux, etc. Il s'était fait des tendinites. Donc l'idée, c'est pas ça, c'est effectivement de travailler toujours au plus près de votre jeu et puis de prendre peut-être des baguettes, peut-être un petit peu plus lourdes, mais pas tellement plus, quoi. Vraiment, vous pouvez prendre un diamètre un petit peu plus long. Si vous êtes sur du 7A, vous passez sur du 5A avec un diamètre un petit peu plus grand. Des modernes jazz ou des baguettes un petit peu plus lourdes. Et puis ça vous permet d'avoir un autre... disons, ça va vous forcer à avoir un grip un petit peu plus tonique. Voilà dans votre jeu. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à travailler. Hein. Il n'y a pas tellement de motifs dans cette vidéo, si ce n'est cette technique qui, moi, m'a semblé vraiment intéressante à vous transmettre. Lorsque vraiment vous n'êtes pas super motivé pour travailler, vous pouvez tranquillement faire ça assis dans votre salon avec votre pad et puis développer tranquillement les fléchisseurs comme en édouard qui sont utiles pour votre jeu à la batterie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. N'hésitez pas à m'envoyer un mail également si vous regardez d'autres vidéos et si les partitions vous plaisent. Je vous remercie de votre soutien et puis à une prochaine.